Tant que je termine pas en maillot de bain dans la rue, c'est... Depuis que je suis ordonné, c'est ma deuxième paroisse. On est dans un département où il y a beaucoup de communautés très différentes. On a beaucoup d'hommes politiques qui nous donnent des conseils pour accueillir les étrangers. Je pense qu'on a déjà à le vivre dans les communautés chrétiennes et de montrer que c'est faisable et que c'est quelque chose de très riche. Moi, j'ai deux frères, je suis d'une famille de trois garçons et j'ai toujours aimé la vie familiale, la vie fraternelle, donc je retrouve quelque chose qui m'a comblé. Je dirais que comme toute vie familiale, il y a parfois des contraintes. Peut-être qu'une fois ou l'autre, on aimerait être tout seul ou être plus tranquille. Et puis nos caractères se rabotent un peu, c'est sûr. Mais en même temps, c'est le meilleur remède pour ne pas terminer comme des vieux garçons trop vite. Voilà. Je suis toujours content de vous voir, de toute façon. J'espère, mais... 1, 2, 3. Très bien, merci. Ah, on voit de ma femme à la technique. Ça fait à peu près combien d'années qu'on habite à Villemomble? 20 ans. Il y a eu donc 3 enfants et 8 petits-enfants. Je peux te dire qu'une seule chose, qu'ils sont adorables tous les 8. Non, non, mais c'est vrai. Vous avez en face de vous quelqu'un qui a un Parkinson. Elle appelle la maladie du on-off. Ou bien du voyant, rouge-vert, ça fonctionne à un moment, ensuite ça ne fonctionne plus. Et là, aujourd'hui, c'est voyant-vert ou voyant-rouge? Eh bien, c'est ça qui clignote. C'est la journée du sacrement des malades. Effectivement, sacrement que j'aborde avec une certaine pas réticence. Et il a fallu que je m'habitue à cette idée que c'est pas parce que qu'on reçoit ce sacrement, on va disparaître demain matin. Je serai à côté de lui, et même les enfants vont venir aussi. Ça sera un grand jour, justement. On veut le faire partager à tous ceux qui participent à cette messe.